La rencontre vient de débuter et à mon avis, une grande partie de foot nous attend aujourd'hui. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Nouvelle remise en jeu. Encore une occasion de centrer. Et but ! Oh non, c'est dedans. Oh, quel départ catastrophique. Notre gardien avait à peine mis les gants, il a déjà encaissé un but. Et c'est vrai qu'il a qu'un seul pied. Mais quand il s'en sert, c'est toujours pour marquer. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Et là, il y a la moitié des joueurs, ils sont endormis. Hein. Mauvais marquage, défense désastreuse. C'est un début de cauchemar, ça. Ce sera une remise en jeu. Il a dégagé. La défense a récupéré le ballon. Allez, il y est presque. Il a osé. Du pied, dégagement sûr. Construire quelque chose. Il y a maintenant 6 mètres. Nouvelle occasion de centrer. Dégagement. Le gardien avance et saisit la balle. Peut-être l'occasion d'un nouveau but. Attention à cette rentrée en touche, ça peut faire mal. Encore une occasion de centrer. Aïe, c'est pas une catastrophe, mais attention, ça fait 2 buts encaissés et ça va être difficile à remonter maintenant. Là, il nous a sorti le grand jeu. C'est une reprise qui va faire trembler Hollywood.
2-0, c'est vraiment une bonne avance. Ah là, ça va devenir difficile. Là, le marquage est mauvais, le joueur n'en revient pas, c'est sûr. Mais en tous les cas, il est important qu'il revienne aux choses fondamentales du foot, qu'il se resserre les coudes et qu'il revienne dans ce match. C'est bien joué, en profondeur sur le côté. Le tir a été dévié. Chandelle. C'est pas fini, ça peut revenir. Il a plusieurs solutions. Le portier le laisse échapper. Le goal a la situation en main. Ils peuvent construire quelque chose. Charles. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Occasion de centrer. Il essaie à nouveau. Le tir est vicieux mais bien capté par le gardien. Débordement dit peut-être au centre. Il lâche une frappe. Le gardien a bien vu que le ballon passait à droite. Ah, je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. Ben, c'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. Et le gardien récupère le ballon. Encore une occasion de centrer. La passe a été interceptée. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Ça ne fonctionne pas. Tentative de la tête. Le gardien a fait le ménage. Le tir est décoché. Médiocre, le ballon est trop à droite. Je crois que c'est pas de sa faute sur ce coup-là, c'est le gardien qui a fait la différence pour moi. Belle interception qui permet de reprendre le contrôle du jeu. La défense est malmenée sur le côté. C'est un corner, forcément une occasion de but.
Le ballon est dans les airs. Encore un but, mais c'est pas grave, on est où derrière? Resserrez-moi tout ça! Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Le match semble plié, ils sont vraiment déchaînés, ils dominent dans tous les compartiments du jeu avec beaucoup de... À 3-0, ils n'ont même pas l'air de vouloir se relâcher. À beaucoup vont dire qu'ils ne sont pas dans le coup, mais ils ont face à eux une grosse équipe. C'est une tâche assez difficile. Je dirais qu'il n'y a pas trop de conditions véritables dans leur jeu, surtout dans les zones défensives. Ils devront marquer sans tarder, sinon, à mon avis, c'est cool. On vit certainement les dernières secondes de la partie. L'arbitre signale la fin des 45 premières minutes. On sent qu'ils ont le ballon. C'est reparti et on va voir si le public continue à se régaler. L'entraîneur doit savoir où il va car il n'a fait aucun changement, même si son équipe est menée. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer. La frappe est décochée. Et but, c'est bien, mais le plus dur reste à faire maintenant. C'est vrai qu'il y avait de l'espace dans le dos du gardien, mais l'attaquant quand même a eu cette lucidité, cette précision pour réussir ce lob. C'est pas forcément une grosse avance, mais c'est une bonne avance. Là, ça va rendre les choses plus intéressantes. Le match est relancé, l'espoir est revenu. C'est le moment de tout donner maintenant dans ce genre de match. Nouvelle occasion de centrer. Oui, c'est au fond. 3 buts d'écart à présent. C'est bien ça. Et il te faut vraiment un bon positionnement, une bonne concentration, un bon timing pour marquer des buts comme ça. C'est vraiment son jour, on le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. On est maintenant passé à 3 buts d'avance. Oh, c'est vraiment un jour sans pour toute l'équipe et surtout pour la défense. Ils ne sont jamais réussi à rentrer dans cette rencontre. Je pense que c'est un match à vite oublier. Centre détourné. Ce ballon est bien haut. Et il marque. Ce but est important, mais surtout il faut en marquer d'autres. Et en frappant ce poteau gauche, on a quand même cru que le ballon n'allait pas rentrer. Et même avec de la chance, un but c'est un but. Buts marqués, mais ils en ont toujours deux de retard. Là, ça va rendre les choses plus intéressantes. Le match est relancé, l'espoir est revenu. C'est le moment de tout donner maintenant dans ce genre de match. Il manque vraiment de coordination. Ils peuvent construire quelque chose. Mais c'est dégagé. Encore une occasion de but gâché. Et à force de faire des grilles au lieu de tirer, à mon avis, l'entraîneur il va commencer à la rappeler sur le banc. Nouvelle occasion de centrer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a dégagé. Place maintenant une touche.
Ils peuvent construire quelque chose. Une nouvelle touche qui peut être dangereuse. Quelle frappe! Ballon repoussé des points, corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Long dégagement en avant. La balle n'est pas passée. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Encore une occasion de centrer. Passe profonde interceptée et dégagée par sécurité. Encore une belle occasion. Premier changement pour cette équipe. Là, en fait, son entraîneur le sort parce qu'il revenait trop jouer au milieu de terrain. Mais ça faisait quand même 2 heures qu'il attendait le ballon devant. Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Directement dans les gants du portier. Changement d'aile magistral. Le duel est remporté, c'est bien. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Ils ont passé les lignes arrière. Oh, le tir rase le montant droit. C'est impossible de marquer de là, la langue est trop fermée. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Nouvelle occasion de centrer. Il fallait intervenir et c'est fait. Et il tente de marquer. Bonne action, le ballon est récupéré. Va-t-il trouver le bon timing? C'est dedans! Réduction du score et il reste du temps. Pas de panique. C'est souvent que ça arrive, ça, quand un joueur rentre sur le terrain. Ça déstabilise l'organisation adverse et on oublie de le prendre en marquage. Vont-ils savoir maintenant conserver ce score? C'est drôle, il semblait pourtant maîtriser le match. Hein. Mais avec ce but venu d'ailleurs, ça relance tout. Hein. On va assister à mon avis à une fin très tendue. Ils font preuve de patience, le ballon circule bien, les défenseurs sont baladés.
Excellente passe en profondeur. Est-ce qu'il peut frapper? Il n'est pas avec cette frappe qui va effrayer le gardien. Alors là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Il a mis le pied sur le ballon. Charles. Auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Superbe effort individuel. Dès qu'il fasse la passe maintenant. Nous avons maintenant une remise en jeu. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Encore une occasion de centrer. Et Charles. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Ça se joue à pas grand-chose, mais il est hors jeu. Nouvelle occasion de centrer. Ça manque de précision. Il est dégagé. Bien vu. Ça, c'est vraiment du beau. Faute dangereuse et coup franc concédé. C'est un carton jaune et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Cette passe en profondeur n'a rien donné, elle est dégagée. La balle change de propriétaire. Yalens. Bon travail et bonne possession du ballon. L'entraîneur le sait, la meilleure défense c'est l'attaque. Désormais il faut contrer. Bien joué de la part du défenseur, ce sera un corner. En plein milieu de la surface de réparation. Erreur défensive, ils vont peut-être en profiter. Eh oui, c'était imprécis. Bonne interception. Ils peuvent construire quelque chose. Comportement inadmissible, l'arbitre siffle, c'est normal. Voici une belle occasion du tir au but. Ça va peut-être rentrer. C'est au-dessus. Il n'a pas pu contrôler sa frappe. Je ne veux rien dire, ils ont trouvé que lui pour les tirer. Centré. Il tente sa chance. Et là, c'est carrément parti au poteau de corner. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Il a fait ce qu'il fallait faire. Yalens. L'adversaire est un petit peu perdu, la position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Bonne action, le ballon est récupéré.
La défense ne sait plus où donner de la tête. À mon avis, elle va craquer une nouvelle fois. Changement de jeu. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Ça chauffe dans la surface. C'est trop loin du poteau gauche. C'est dommage parce que là, la finition n'est pas à la hauteur de la préparation. Le ballon est pour l'autre équipe. Il s'est bien battu pour récupérer le ballon, mais il l'a perdu à nouveau. Charles. Un gros dégagement qui enlève tout danger. La tension est incroyable à 5 minutes de la fin du match avec un seul but d'écart seulement. Ça n'échappe pas au gardien. Il est hors jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Bonne réaction de la défense. Il est beau ce ballon dans l'axe. On appelle ça l'esprit d'équipe. Première intervention du gardien et le défenseur qui dégage. Yalens. Charles. Encore une occasion de centrer. Ils ont pris le bon chemin, le ballon tourne bien. Il faut encore gagner quelques secondes. Et Charles. Ça ne fonctionne pas. Ils se défendent bien. Une minute d'arrêt de jeu indique le tableau. La faute est évidente, coup franc. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Du pied, dégagement sûr. Fin du match, l'arbitre en a décidé ainsi, c'est terminé.